Talent.io, c'est une plateforme de recrutement tech. Notre mission, c'est d'être le moyen le plus simple de recruter une équipe technique. Et on a créé un événement comme les Talent Talks parce qu'on voulait faire notre première keynote. Parler de la transformation du recrutement, parler de la transformation RH. On a eu la chance d'inviter Pierre, le fondateur d'Open Classroom, qui a parlé de l'avenir de l'éducation. On a eu aussi avec nous Firmin, le patron de Payfit, Julia de Frishti, Jérémy de Welcome to the Jungle, qui ont donné leur expérience, leur feedback. C'est super de se réunir ce matin autour de sujet de recrutement tech et bien surtout d'aborder des points qui pour moi sont hyper clés. C'est-à-dire de savoir construire une marque employeur en amont pour attirer les talents, les fidéliser dans le process, construire le process de recrutement, l'onboarding, faire en sorte qu'en fait l'expérience candidat elle soit complète et elle soit intéressante pour les deux parties. C'est génial de pouvoir inviter des entrepreneurs qui ont connu de réels succès sur le sujet de la croissance de leurs équipes internes. Ça permet en fait à l'audience de pouvoir avoir un retour concret, précis, avoir des méthodes. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, surtout le partage de bonnes pratiques en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné chez les uns et les autres. Ça c'était super intéressant. Moi, je suis venu pour écouter les entrepreneurs qui ont bien marché dans le recrutement. Et notamment Payfit qui a recruté 100 personnes en peu de temps et nous c'est quelque chose qu'on recherche. J'ai eu l'occasion de rencontrer des nouveaux business, de potentiels partenariats avec beaucoup de facilité d'introduction. Ce qui était intéressant c'est de rencontrer tout ce monde là et puis un peu comprendre mieux le marché auquel on est confronté, c'est recruter des gens compétents, voilà c'est difficile. Le sujet qui nous a le plus intéressé aujourd'hui c'est le sujet du onboarding parce que pour nous c'est un sujet d'actualité.